Eh bien voilà, nous nous retrouvons dans la Marne, pas très loin de Louvois, en plein préparatif pour pouvoir s'envoler. S'envoyer en l'air, non, je n'oserais pas, mais en tout cas s'envoler pour cette dégustation insolite, 4e édition. Pour mémoire, rappelez-vous, la première fois, nous étions dans une cadole à Essoy, vignoble expérimental. La deuxième fois, nous étions au clocher de Champignol-les-Mondeville avec Monsieur Dumont, le carillonneur. La troisième fois, nous étions à l'intérieur d'un pressoir à mets inclinés avec Pierre-Éric Joly. Et là, nous avons décidé qu'il y en avait assez des espaces confinés et nous allons nous éclater au grand air. On va commencer à attacher l'enveloppe après la nacelle. Après, on va la ventiler avec de l'air froid et on réchauffera l'air pour la faire monter. Ouais, c'est la même toile qu'un parachute. On a tourné le peuple migrateur. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor. Maintenant, oui. Béatrice. Il y en a qui est déjà parti. Nous nous retrouvons avec Alain, notre pilote, pilote émérite s'il en faut. Nous lui avons confié nos vies. Donc là, il a quand même un gros dossier à porter. Nous avons avec nous Claude. Claude, qui représente Vivesia. Et puis bien sûr Valérie, notre directrice Terres et Vignes. On va se télescoper. Tu prends une coupe de champagne ? Salut la Bambolsia, Vivesia. Et ben voilà les vignes, ça y est. Nous voilà au-dessus du vignoble. Bon appétit. C'est l'heure de se mettre à table. Pour nous, c'est pas gagné. Par contre, on va pas tarder à s'offrir l'apéritif, je pense. On a l'impression qu'on va rentrer dans les maisons. Ah, le petit garçon, il a dit viens, c'est trop marrant. On voit bien les années de plantation. Particularité de la Marne, c'est-à-dire des petites parcelles, contrairement à la Côte des Barres. Ils ont élancé les brins. Ça, c'est une très vieille vigne, ça. Ah, voilà les céréales. On va enfin découvrir les grandes parcelles. Et la première parcelle, ça doit être une parcelle de blé. Il y a même des coquelicots. Claude, pourquoi une montgolfière pour faire la promotion du Vessia? Tout simplement parce que la montgolfière Vivesia, c'est un vecteur de communication super sympa, vu par énormément de personnes, avec une image très positive. Originale et innovant. Et puis à l'image du groupe, où nous avons une philosophie de capitalisme patient. Aujourd'hui, on est plutôt guidé par les consommateurs. C'est clair. Donc quelque part, on suit un petit peu ce courant, un peu comme la montgolfière. Ah ben voilà, elle est bonne. Oui, à la tienne. À la vôtre. À la vôtre, Alain. Allez. Merci. Merci Alain, merci Claude. C'est Claude qui t'en remercie. Pour ce magnifique instant, pour ce moment de rêve. Comme d'habitude, nous avons une mise en scène absolument parfaite pour nos petites chroniques. Regarde les arbres. Hop. On pourrait manger des cerises. Elles sont pas mûres. C'est sympa une petite coupe comme ça. Le champagne n'était pas assez frais. Mais il était tellement bon, de par l'environnement, de par l'expérience que nous venons de vivre, c'était quelque chose, une parenthèse dans notre vie.